Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Merci. Je pense que les gens qui sont là, qui vont, comme l'a dit le SG, qui vont rendre compte qu'ils n'ont qu'à allumer leur enregistreur et ils n'ont qu'à aller jouer ma voix ou la voix du SG à ceux vers qui ils vont pour qu'ils écoutent ce qu'on a dit. Il y a une chose qui est sûre, on assume nos propos. À la différence de certaines, on assume nos propos. Et franchement, ce n'est pas une histoire de peur, non, on a dépassé ça. Il y a une seule mort et tout le monde mourra un jour. Franchement, donc si elle pense que brandir la menace de mort sur les gens, c'est une solution, nous on peut partir avant eux, mais on nous rejoindra un jour. Donc franchement, je ne sais pas. Deuxième chose, avant d'arriver au principe proprement dit, deuxième chose, les médecins ne sont pas à 300 000 francs près. Les infirmières ne sont pas 70 000 francs près. On ne demande pas, on ne mentit pas quand nous sommes avec des miettes. Nous demandons que les Togolais aient des soins de qualité. C'est ce que nous demandons. On ne réclame pas des dons de 300 000 ou de 70 000. On n'est pas à ça. Donc si des gens sont réduits à ça, nous on n'est pas réduits à ça. Donc franchement, ce débat-là, on n'en peut même pas. On demande qu'on équipe les hôpitaux. On demande qu'on construise de nouveaux hôpitaux. On demande que les Togolais aient des soins de qualité. On voudrait bien que là où on va soigner le paysan de Bernard, on puisse soigner le ministre de la Santé là-bas aussi. On ne veut plus que des gens pour des paladins, pour l'avion, pour aller se faire des paladins en France, alors que des gens pour des cas graves, mais si ils meurent, on ne veut plus de ça. Ils voyagent au fait de les Togolais. Pour l'avion, pour aller être décévalé, pour aller être des dedans, et tout en Europe, on le sait. On leur demande d'équiper les hôpitaux pour soigner leurs propres frères, sœurs, parents, ils trouvent qu'on demande trop. Le SG a dit, nous n'avons rien contre le projet de contractualiser chacun des femmes. Quand on le demande, ils n'ont qu'à faire le projet. Nos demandes sont claires et sans ambiguïté. Et on attend des réponses à ces demandes-là. Nous n'avons pas la prétention et on n'a pas le pouvoir de fermer les hôpitaux. Moi, je n'ai pas la clé d'un hôpital avec moi. J'en ai pas. Nous appelons simplement les agents de santé à observer la grève. Et pour la grève, le service minimum prescrit, c'est que c'est des urgences. On en a parlé déjà. Les services non essentiels, où il n'y a pas d'urgence, si des gens eux-mêmes vont pour travailler, qu'ils ne viennent pas dire qu'ils font minimum. Ça, il faut concentrer là-dessus. Les services d'urgence, on les connaît, à moins qu'on n'ait pas eu le mérite d'avoir un bon diplôme. Là, on peut dire qu'on ne comprend pas ce qu'on appelle service d'urgence. Mais ceux qui ont vraiment un bon diplôme, qui comprennent ce qu'on appelle l'urgence, ils savent que leur service-là, où ils vont travailler pour vivre 13 millions, ne mérite pas 13 millions. Si tant est qu'ils ont un bon diplôme, ils devraient comprendre ça. Donc, on rappelle que c'est pour les urgences, les réanimations, les services essentiels, hémodialyse, CNTS, les services minimums sont assurés. On l'avait dit déjà. Maintenant, l'histoire de liste. Mais je suis désolé. Et ça, ce qu'on dit là, ce qu'on dit, si quelque chose se passe, nous allons prendre une décision et faire une action en conséquence. Le service minimum est organisé par les agents en fonction dans leur service. C'est de commun accord qu'on désigne qui vient faire le service minimum. Et celui qui vient le faire, il le fait pour les autres aussi. Parce que c'est rotatoire. Ceci étant dit, si par extraordinaire, on opère des précomptes, non, parce que ceux qui viennent remplir et marquer les listes, c'est parce qu'on leur fait croire que, en les marquant les listes, ils ne sont pas précomptés, ils seront bien payés. C'est ça que les gens viennent. Nous disons,
service minimum, c'est pour assurer la continuité des soins. Ce qui voudrait dire que c'est de manière obligatoire, il n'y a pas quelqu'un qui vient tout le temps. Non, ça se décide. On décide de qui vient, quand, ainsi de suite. Et quand tu viens aujourd'hui, tu viens et tu travailles pour tous les qui sont à la maison. En fait, c'est comme ça. C'est le minimum qui s'opère. Et par conséquence, si des gens pensent qu'ils vont opérer des prétentions sur les services minimum, c'est à ce jour-là, ils ont tiré en l'air. Franchement, ce qu'on a fait à ces petits. Ils auront chaud. Chaud. Et donc, juste comme suggestion, ils ont intérêt à ne pas opérer des prétentions. Pour les jours où les services minimum. Pour les jours de grève, c'est comme dit que moi j'ai dit là. Pour les jours de grève, c'est ce que la base a décidé. Ils peuvent opérer des prétentions. On s'en tape. S'il veut. Mais pour les autres jours, la loi est là-dessus. C'est ce minimum qui garantit la continuité des soins dans les structures d'urgence et de services essentiels. Il n'y a pas de prétention à opérer. C'est juste une information qu'on leur donne. Et on espère bien qu'ils tiennent compte de ça dans les calculs pour sortir les salaires bientôt. Et si après ils vont, le CFO sera debout. Ça, c'est clair. L'autre point, vous nous avez demandé, et on l'a dit déjà, lorsqu'on ira ce soir, si on se rend compte que c'est du dilatoire avec votre bénédiction, est-ce que on se réserve? Ouais. Nous allons nous retirer et nous prendrons les dispositions pour vous informer. Ce qui est sûr, c'est que le vendredi, la SPT a son âge normalement après-midi. C'est pour ça que nous sommes en train de discuter, mais nous allons nous réunir au niveau du bureau et prendre les décisions qui doivent. Si par extraordinaire ce soir, nous allons à la réunion, la suite des actions sera dictée par ce qu'il y aura ce soir à la rencontre avec le ministre. Mais comme l'a dit le SPT, le service minimum est maintenu jusqu'à vendredi. Donc, mini. Mais je sais et nous savons qu'on peut compter sur vous. Votre mobilisation aujourd'hui, vu que vous avez gravé des distances, des kilomètres pour être là ici au siège aujourd'hui, je voulais que vous fassiez un grand mouvement. Certaines d'une chose. Nous nous battons pour la bonne cause. Nous nous battons pour que les Togolais aient des soins de qualité. Et c'est pour ça que nous sommes convaincus que nous allons gagner. Donc, camarades, restons mobilisés. Restons déterminés. La victoire n'est plus du tout loin. La victoire est là. Et personne ne pourra s'opposer au CFO. Personne ne pourra s'opposer aux agents de la santé du Togo. Kamara Sayoum. Donc merci aux amis journalistes qui sont venus. Et nous allons vous prier de retourner chez vous, calmement. Dès que nous irons à la réunion ce soir, vous serez informés à la minute près de l'évolution des choses. D'accord, il n'y a pas de souci. Dès que ça va être apporté, vous serez informés. Et on décidera ensemble de ce qu'il y a lieu de faire. Que Dieu nous amène chez vous. Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@
@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.